Je ne sais pas qui est qui. Tu vas venir ouvrir tes cartes, tes jambes devant un gars. Il va prendre ton âme pour partir. Ouais. Names Reborn. Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Que la paix soit avec vous. Bienvenue sur ce board. Que serez-vous prêt à faire pour avoir la chose la plus précieuse à vos yeux? Ouais, genre, une chose qui va vraiment changer votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire? En tout cas ici, ce que une adolescente a fait m'a vraiment choqué. Ha! Elle est décédée à cause des iPhones. Hein? Est-ce que c'est seulement ça? Ça m'étonnerait. Voici l'image qu'on nous présente. Est-ce que vous voyez? Regardez, 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 regardez. Une adolescente. Une adolescente. Hein? Enfant des champs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. On nous dit que pour un iPhone 12 Pro, pour un iPhone 12 Pro, c'est-à-dire le tout dernier iPhone en ce moment-là, pour ça, elle a couché avec 12 personnes. Et suite à cela, elle est décédée. Ah! Pour un iPhone 12 Pro, elle couche avec 12 personnes. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? iPhone 12 Pro. Couche avec 12 personnes. 12, 12 de chaque côté. C'est une information sur laquelle je viens de tomber. On dit que la fille, pour pouvoir avoir ce portable très cher, ouais, cet appareil vraiment très cher qui fait le buzz en ce moment qui vient de sortir, elle a fait un grand sacrifice. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette histoire se passe au Congo. Et cette fille, elle a juste 17 ans. Juste 17 ans. Et elle est décédée après avoir couché avec 12 garçons qui lui ont promis un iPhone Pro. Du genre, les 12 garçons ont dit qu'ils vont se cotiser pour l'acheter. Un portable très cher. Hey! Et elle aussi l'a accepté. Ah! Est-ce que c'est vrai ces choses-là? En tout cas, moi, avant, je n'y croyais pas jusqu'à ce que ça commence à faire un peu le buzz. Les gens disaient que juste pour un iPhone 6, les filles, elles allaient écarter les jambes dans les hôtels. Juste pour un iPhone 6. Là, nous sommes encore dans une nouvelle ère. Et on nous parle de quoi? Des iPhone 12, iPhone 12 Pro. Attends, donc à chaque année, quand un nouvel iPhone va sortir, c'est ce que vous allez maintenant faire. C'est ce que vous allez maintenant faire. Juste parce que vous voulez être d'actualité. Juste parce que vous voulez montrer aux gens que vous êtes d'actualité, vous allez aller faire des trucs vraiment chelous. Comment 12 garçons peuvent-ils accepter de coucher avec la même fille? Ce monde dans lequel nous sommes nous montre chaque jour qu'il est vraiment pourri, quoi. Gâté. On doit maintenant le jeter. Ah! Et ça m'étonne. Et elle s'appelait Sabrina. Elle était une élève d'une école de la ville. Et cette ville s'appelle Bellevue. Apparemment, Bellevue. Ses camarades garçons lui ont proposé un iPhone à condition qu'elle couche avec chacun d'eux. Et après l'acte, elle a rendu l'âme. Et d'ici, waouh. Quand je suis tombé sur cette information, c'est juste hier, je viens de me réveiller, comme vous le voyez, je viens de me réveiller. Quand je suis tombé sur cette information, j'avais du mal à y croire. J'ai fait grave beaucoup de recherches encore pour essayer de voir ce qui se passe. Et c'est là que je suis tombé sur un tas de choses. Hein? À chaque fois qu'un iPhone doit venir, il y a des choses cheloues qui se passent. Il y a des trucs chelous qui se passent.
surtout avec les filles là, et les gens qui ont un peu de moyens. Ces gens-là, souvent, ils font des propositions terribles à nos jeunes sœurs. Ça, c'est quoi? C'est la tentation. C'est la tentation. Dans le jardin d'Éden, le diable est venu tenter Ève. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé dans le désert, il a été tenté aussi par le diable. Nous tous, nous serons face à de telles situations. Ça, ce sont des propositions qui arrivent comme des opportunités. Mais ce qui se trouve derrière là, c'est quoi? C'est la mort. Je vous ai dit hier que derrière les pudicités, tout peut arriver. En fait, derrière les sexes, même hors mariage là, derrière ça, tout peut arriver. Je vous ai parlé de ça, je vous ai dit que, par exemple, tu peux coucher avec une fille, vous n'êtes pas marié, vous couchez ensemble, elle peut tomber enceinte et toi, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Ah, tu as maintenant tenté d'attraper ta tête. Tu attends ta tête jusqu'à ce que quelqu'un te dise, écoute, pourquoi tu te fatigues? Tu peux entamer le processus d'avortement. Et si elle accepte, ça peut mal tourner. Elle peut mourir dans ça. Dans tous les cas, quelqu'un va mourir. Soit c'est cette tête, ou c'est l'enfant là. Parce que c'est à cette seule condition que elle pourra se libérer. C'est-à-dire que c'est un très grand risque. Sans même parler des maladies sexuellement transmissibles. Et je ne vous avais pas parlé de ça. Je ne vous avais pas parlé de ce genre de cas-là. Des cas où des gens viennent vous faire des propositions. Coucher avec vous. Hey, c'est comme une personne. Elle devait devenir star. Ouais, elle faisait le buzz. Tout le monde parlait d'elle. C'était une fille. Quand tu la vois, tu vois sa forme, la forme de son corps là. Tu as l'impression que elle a quitté le ciel pour tomber. Et c'est cette fille là que les gens ont commencé à regarder à la télévision jusqu'à ils ont fantasmé sur elle jusqu'à un jour qu'ils ont eu l'occasion de l'approcher. Ils ont commencé à lui faire des propositions maintenant. Est-ce que c'est ce qu'ils ont commencé à lui dire? Est-ce que c'est ce qu'ils ont commencé à lui dire? Écoutez-moi bien d'abord. Dans ce monde-là, quand vous n'êtes rien, personne ne vous regarde. Quand vous commencez à être vu, c'est-à-dire à devenir visible, et que tout le monde vous regarde, vous êtes invité, passé par là, votre cachet augmente. Surtout quand vous êtes un artiste. Vous voyez, non? Voilà. Et elle était artiste. Et voici que, à un moment donné, les gens vont venir vers elle avec de grosses propositions. Ah! Un gars va lui dire, écoute, pour une seule nuit, moi je te propose pour une seule nuit, 20 millions. Qu'est-ce que tu dis? 20 millions pour une seule nuit seulement. 20 millions. Je te propose juste 20 millions. Qu'est-ce que tu dis? Et cette personne a les moyens de sa politique. Et cette personne veut lui faire cette proposition de juste 20 millions pour qu'elle puisse juste pour une nuit. Hein? 20 millions. Alors qu'elle n'avait jamais touché 20 millions de sa vie en ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Doit-elle dire non ou accepter? C'est pas qu'elle n'a rien. Elle, en tout cas, elle trouve au moins quelque chose à manger. Elle a commencé à devenir célèbre, à être connue. Vous voyez? Donc, elle commence à toucher un peu d'argent quand même. Des cachets de 3 millions, 2 millions, 4 millions, les trucs de ce genre. Mais ça, c'était un gros. C'était une proposition. Elle regarde son cachet. Elle regarde les 20 millions. Elle regarde son cachet encore. Elle regarde les 20 millions. Elle se dit, mais waouh, il y a du pactole à se faire quand on est une star. On est une célébrité. Mais le problème là, c'est quoi?
Le problème, c'est que si elle accepte et elle va coucher avec une telle personne comme ça, elle va salir son image. Et elle peut même mourir dans ça. Tu ne sais pas qui est qui. Tu vas venir ouvrir, t'écarter tes jambes devant un gars. Il va prendre ton âme pour partir. Ouais. À chaque fois que lui couche avec toi, il prend quelque chose en toi pour partir. Voici aussi le danger qui existe dans les histoires d'impudicité. Ouais, des sorciers qui sont là seulement pour faire des rituels sur les petites filles là. Ouais, sur les filles là. Dès qu'ils voient que votre étoile commence à briller, les gens commencent à parler de vous et tout ça, ils vont être les premiers à venir vous faire de telles propositions. Si ce ne sont pas les garçons, hein, ce sont maintenant les femmes, les grandes dames du pays, les grandes dames. Elles vont venir te faire des propositions. Ah, ma chérie, c'est comment une femme qui break une autre femme? Ah, ma chérie, c'est comment? Ah, viens, nous deux, on va passer une nuit. Ah, tu dis, mais toi, tu es une femme comme moi. Toi, tu veux passer une nuit avec moi. Comment tu fais ça? Comment ça marche? Hey! Le monde est mélangé. Ah! Voici les réalités, oh, voici les réalités. Et vous êtes, nous sommes dans ce monde, un tel monde. Là, il faut vraiment être vigilant. Si vous regardez l'argent, vous pouvez mourir et laisser l'argent. La fille, c'est un iPhone 12 Pro qu'elle voulait, non? Le tout dernier iPhone sorti, non? Peut-être elle est décédée là. Où est passé l'iPhone? Le iPhone est là maintenant. Le iPhone est là. Ouais. Le iPhone est là, hein. Le iPhone est là maintenant. Mais il n'y a plus personne pour toucher le iPhone. Elle est partie. Elle est morte. Elle est morte où? Mais qui va venir toucher le iPhone? Qui va faire allô? Qui va faire les 7 filles maintenant? Qui va appeler le voisin? Ouais. Vraiment, le diable, c'est un mauvais cas. Le diable, c'est un mauvais cas. Oh. Le diable, c'est un mauvais cas. Ma soeur, si toi tu veux un iPhone, si ça te plaît bien, il y a deux seuls moyens qui existent. Le premier moyen, c'est de travailler. Travailler dur, tu te trouves un taf, un travail. Tu travailles, tu épargnes et en tout cas, toutes les stratégies afin que ton travail puisse te donner ce que tu veux. Mais le deuxième moyen, c'est aussi d'attendre ton temps. Quand le temps de Dieu va venir, quand le temps va venir là, c'est pas toi qui as couru derrière iPhone, c'est iPhone qui a couru derrière toi. Et là, c'est à toi de faire ton choix. Mais ne choisis pas la troisième possibilité qui est la facilité. C'est dans la facilité là qu'on tombe sur tel cas. Mais il dit certainement dire, ah mais est-ce qu'une fille qui va écarter ses jambes là, est-ce qu'elle est dans la facilité aussi? Parce que ce soit c'est à la sueur de ses fesses qu'elle va voir ce qu'elle va chercher. Donc c'est à la sueur de ses fesses. C'est un travail. Donc ça c'est un travail aussi. Ça c'est un travail. Ouais, c'est possible. Nous sommes au 21e siècle, tout est possible aujourd'hui. Mais il y a trop de dangers là-dedans. C'est un vrai grand risque que les gens prennent en s'adonnant à de telles choses. Moi, je ne vous conseille pas de suivre de telles personnes. Si on vous fait de telles propositions, vraiment, faites attention. C'est comme vous êtes une secrétaire. Vous touchez peut-être un peu d'argent. Peut-être c'est 500 euros. Et un bon matin comme ça, votre patron vient dire, ah écoute, si tu dois avec moi aujourd'hui, je vais multiplier tes 500 euros par 3. Donc tu vas dire, ah, quoi, sérieux? Je vais passer à 1500 euros juste comme ça, juste du coup, sérieux? Ah, juste pour coucher avec le patron. Il va multiplier ça par 3. Ah, là, tu as tes 500 euros que tu gagnes d'habitude. En même temps, voici 1500 euros qu'il te propose. Hein? Hein? C'est là que Dieu va vous dire, écoutez, mes frères et sœurs, contentez-vous de ce que vous avez. Ce que vous avez, ce que vous gagnez là. Contentez-vous de ça. Si vous voulez voir plus loin que votre nez, vous allez cogner le mur. Le mur là même va dire, écoute, passe. Vous allez le cogner quand même. Le mur va vous dire encore, passe. Vous allez le cogner. Hey! Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez.
Une personne qui est morte n'a plus besoin d'argent. L'argent ne sert qu'aux personnes qui sont en vie ici. Ouais. Aux personnes qui sont en vie. Les gens que tu veux impressionner par l'argent que tu vas avoir là. Ces gens-là ne vont pas t'accompagner dans ta tombe. Même celui qui t'aime, même celui qui t'aime le plus. Personne ne va dire, hey, écoute, toi tu étais ma potesse, tu étais ma copine. Tu es décédé, pardon, laisse-moi te rejoindre. Laisse-moi, venez me tuer. Venez me tuer, il y en a dans la tombe aussi. Mon ami, personne. Tout le monde aime la bonne nourriture ici. Tout le monde aime la belle vie. Les gens veulent vivre. Personne ne veut mourir. Personne. Tous ceux qui sont décédés là, ils ne voulaient pas mourir. Oh. Je te parle de quelque chose. Donc, appréciez la vie que vous avez. La vie que vous avez, ainsi que la santé là, c'est une chose qui n'a pas de prix. Comme vous l'avez tout le temps, vous négligez la chose. Mais quand la chose va partir là, vous allez commencer à apprécier ces choses-là, mais par rapport à l'argent. Les gens qui sont millionnaires, qui ont beaucoup d'argent, même multimilliardaires, en euros, en dollars, tout ce que vous voulez. Mais ces gens-là ont un problème de santé. Tout de même, sont sur les chaises roulantes. Mais vous, vous n'avez pas grand-chose. Vous pouvez rire avec tout le monde, vous pouvez marcher, vous pouvez sauter, vous pouvez danser, vous pouvez rire un peu. Et vous êtes en train de vous plaindre. Ah, moi, je n'ai rien, moi, je suis galère. Je suis trop galère. Pourquoi mais les gens de ma catégorie ont des millions? Ils font des boîtes de nuit, de jeter l'argent là-bas. Puis moi aussi, je suis en train de rigoler avec les gens. Ah, non, c'est pas possible. Mon ami, si c'est pas possible, lève-toi, travaille. Travaille dur, sois intelligent. Crée plusieurs entreprises. Et prends les mesures qu'il faut pour que tu puisses arriver en haut. Mais quand ton temps va venir, Dieu va ajouter sa bénédiction qu'il a te donner là-dessus. Et puis ça, tu vas te mettre sous. C'est quoi? C'est. Il te dit qu'il n'y a pas quelque chose. Ah, mais ne vous vivez pas la facilité. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est ce que je préfère vous dire là maintenant. Est-ce que cette fille-là va reposer en paix? Ça m'étonnerait. Je préfère dire que son esprit va se lever pour poursuivre les 12 gars qui l'ont tué. C'est là que vous allez voir qu'on ne couche pas à n'importe quelle fille. Que Dieu vous punisse les 12. Une bande de salauds. Que pour préparer vos prochaines vidéos ici sur ce bon, si vous n'avez pas bon abonné, vous activez la cloche et soyez prêts. Si vous avez aimé ce type de vidéo, la manière dont on a fait la vidéo dans ce format, laissez tout des j'aime et un commentaire pour m'en informer et je verrai si je peux faire encore d'autres vidéos de ce type chap chap pour vous. Ok, c'est parti. Wow, c'est extraordinaire. Merci d'avoir été de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir bien ce bon et ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger des informations bancaires. Que Dieu bénisse vos soeurs. Prenez soin de vous. Main 3 Born.